Salut à tous! Je vais pas vous apprendre que l'on vit dans une société de perfection, d'image, tout le monde veut ressembler aux idoles, ça a toujours été un petit peu comme ça, mais aujourd'hui les idoles sont juste le reflet d'une perfection qui n'existe pas, grâce à tout un tas d'artifices. Et concrètement, en tant que femme, ben, je pense vous l'avoir déjà dit, mais on est énormément attaquée, et c'est vrai que on essaie vraiment d'améliorer au maximum notre image. Bah parce qu'on est un peu victime de tout ça, et on le veut bien, hein, la plupart du temps. Et c'est vrai que notre corps et notre image souvent ne nous appartiennent plus, on essaie juste d'en faire voilà, une copie conforme à ce que la société nous propose. Pendant un temps, on parlait énormément de régime, mais après, le mot régime est devenu la cible. Ouh là là, faut surtout pas dire qu'on en rime, du coup on a inventé des nouveaux mots. Le mot rééquilibrage alimentaire, le mot détox, le mot healthy. Ça vous parle? Moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait que certaines personnes soient au régime et publient des photos pour s'automotiver, etc. Moi, ce qui me dérange là-dedans, dans cette espèce de tendance, c'est qu'on a justement tendance à culpabiliser les autres. Aujourd'hui, on fait une apologie du bien-être, du bien-manger, de l'apparence, du sport, etc. Et c'est vrai que je pense que le gouvernement n'y est pas pour rien, parce qu'il suffit de regarder la télévision pour voir leur espèce de slogan à la con, bien manger, bien bouger, etc. Et c'est vrai que l'on vit dans cette espèce d'atmosphère où concrètement il faut être parfait sur tous les points. Il suffit d'ouvrir ses réseaux sociaux pour voir des assiettes constituées de graines, de légumes, et de thé détox. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais toutes les stars donc, qui ont une influence sur les réseaux sociaux, on va parler des Kardashians, on va parler par exemple de Nabila, bon, oui. On en pense ce que l'on veut, mais en attendant, on peut remarquer leurs photos avec leur thé détox. Oh, oui, c'est des personnes qui sont saines, qui sont maigres, et du coup, forcément, elles ont besoin de leur thé détox. Vous trouvez pas que le placement de produits est discret? Moi, la vraie question, la réelle question que je me pose, c'est est-ce que la nana qui publie une photo de son assiette ou de sa collation, tiens, de sa collation, où il va y avoir du lait de soja, oui, évidemment, du lait de soja, et puis des bâtons de céleri, est-ce que c'est cette fille donc, qui fait une jolie assiette, hein, la photo est super belle, hein, est-ce que cette nana se foutrait pas clairement de notre gueule? Comment se fait-il qu'une nénette rondelette, ou pas d'ailleurs, hein, une nénette qui ait adopté la mode vegan, tiens, parlons-en, la mode vegan, alors... Pas le vrai vegan, hein, pas celles qui ont de réelles convictions par rapport au fait d'être vegan. Non, non, la mode vegan, la tendance, c'est-à-dire le truc où tu bouffes rien. Comment se fait-il que cette nana, donc, qui est vegan, en l'occurrence, qui mange rien, qui publie des photos d'elle au sport, qui a des belles photos d'assiettes hyper saines, etc. Comment se fait-il qu'elle ait toujours le même gros cul au bout de 6 mois? Tout ça c'est très joli, on peut voilà, apprendre ça avec énormément d'humour, mais là où ça me dérange, c'est que je trouve que ça peut être très dangereux. C'est vrai quoi, quand on a une alimentation classique, entrée, plat, dessert, protéines, féculents, légumes, quand on mange justement équilibré, et c'est ce que préconisent les vrais médecins, pas ceux qui font partie de cette industrie agroalimentaire, je parle vraiment des vrais médecins qui vous donnent des vrais conseils, quand on mange normalement et qu'on voit nos icônes ou ces filles qui frôlent la perfection, qui sont magnifiques, qu'on adore et qu'on suit quotidiennement, quand on les voit sur notamment les réseaux sociaux, parce qu'on est sur la tendance, quand on les voit manger comme ça, et que nous, on voit notre mode de vie, on a l'impression de mal faire, on culpabilise et on a juste l'impression d'être une merde. Je voulais juste mettre le doigt sur cette mode healthy, et ce mot m'énerve toujours autant, sur ces tendances avec ces gourdes, avec des petits morceaux de fruits à l'intérieur, de ces assiettes bio, bien sûr, on avait oublié le bio, de ces tendances où on devient vegan, de ces tendances où... on ne mange plus de viande mais des steaks de soja, ou on ne mange plus de pâtes mais des pâtes sans gluten. De ces aliments dont on n'a jamais entendu parler et qui, après vérification, s'avèrent être des aliments soi-disant qui font maigrir. Et la seule chose qui vous font perdre, clairement, hein, c'est votre temps et votre argent. Toutes ces attitudes dites saines, où l'on publie des assiettes... saine. Moi je me dis derrière, je suis persuadée que les personnes en question finissent par se taper des Big Mac en loose day, bien sûr, avec Coca Light. Non, 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 avec Coca Zéro, parce que dans le light il y a de l'aspartame et l'aspartame c'est cancérigène. Et c'est souvent ces personnes, je suis sûre, qui fument, qui picolent, etc. Oui, oui.
Je pense que ce sont des personnes qui ont besoin d'assainir leur image parce que ça fait partie de leur métier, etc. C'est de la communication, hein. Mais je suis sûre qu'elles sont comme vous et moi. Moi, je pense à tous ces gamins et ces gamines qui ont besoin de suivre des idoles, qui ont besoin d'exemples, qui suivent ces personnes justement, et qui doivent être complètement paumées parce qu'elles sont influençables. Et la chose qu'on leur dit clairement, c'est que l'alimentation ne doit pas du tout être associée à la notion de plaisir et qu'il faut rien manger ou manger comme un moineau. Et c'est souvent à cette période où justement ces personnes, ces gamins vont développer des TCA et c'est juste hyper dangereux. Alors, qu'on soit d'accord, ces conneries-là, j'y ai adhéré. J'ai aussi publié mes assiettes saines, j'ai aussi voulu montrer que j'étais 100% vie saine, etc. Sauf que quand j'allais me péter une tartiflette ou un truc comme ça, là je publiais pas. Oh là là là, surtout pas, l'image avant tout. Alors voilà, tout ça pour moi ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Vivez, profitez et faites-vous plaisir. Si besoin vraiment est de perdre du poids, de maigrir pour se sentir mieux, allez voir des spécialistes. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul et s'apercevoir que tout ça c'est juste de l'image. Il faut arrêter justement de culpabiliser parce que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça peut faire plaisir de manger gras, de manger sucré de temps en temps, bien sûr sans être dans l'excès. Mais aussi c'est cette culpabilité qu'on nous impose à travers voilà, des choses qui nous marquent et qu'on se prend dans la gueule quand on ouvre les réseaux sociaux. Plus on culpabilise et plus on a de risques de grossir en fait, parce que la culpabilité mène à la frustration. Quand on se frustre, après on lâche l'affaire et c'est là où on va bouffer deux fois plus et c'est là où on va grossir. Je pense qu'on doit tous prendre du recul par rapport à ces modes alimentaires qui ne sont en fait que le reflet d'une société faite d'images et de faux semblants. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que le sujet vous a intéressé. Je vous invite comme d'habitude à réagir sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !